encore couru, Antoine. Antoine, t'as la mucoviscidose. Il va falloir que je te le dise combien de fois. Tu prends des risques. Si tu continues, tu peux y laisser la vie. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines. Et moi, je comprends pas pourquoi vous avez si peur que je vive. Madame Augustin, vous pouvez pas fumer dans votre chambre. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Eh sérieux, on entend que vous là. Putain, mais baissez votre radio à la con. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce petit merdeux? C'est bon, Antoine, je gère. Vous gérez rien du tout. Allez, foutez-moi le camp. Mais ça sert à rien de s'en prendre aux infirmières. Y'a que vous qui faites chier le monde ici. Je t'emmerde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si ça peut t'éviter de faire la gueule. Allez, c'est bon. Madame Augustin. Alors, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, Juliette? C'est ma radio. Elle m'a lâchée. Ça fait 2 jours que je réclame des piles à ces infirmières. Elles sont même pas foutues de m'en ramener. Ma foi, s'il faut que je chante, je chanterai. Tiens. Ma pauvre dame, à votre âge, franchement. Justement, à mon âge, pauvre con. Madame Augustin, enfin. Vous avez peur de quoi? Que je vive, c'est ça? Je vous rends votre pile là, mais arrêtez de chanter s'il vous plaît. Je savais bien que c'était toi. Allez, va me poser ça là-bas sur la table. Allez. C'était pas là ce truc la dernière fois là? Oh tiens, j'avais presque oublié celui-là. Cadeau de ma fille. Je t'en foutrais, moi, les poissons rouges. Ben, ça a l'air bien cool d'être votre fille en tout cas. Mais ça va pas, vous êtes vraiment taré vous. Pourquoi? Tu fais partie de la SPA? Bah ben, non, mais y a juste pas de raison de le tuer quoi. Eh ben, comme ça il serait peut-être libre. Oh. Tu crois qu'il est heureux d'être dans ce bocal?
et à tourner en rond toute la journée. Perso, j'en sais rien. Mais je sais pas si vous aviez l'occasion de sauver quelqu'un. Vous le feriez, non? Bah, c'est ça. À mon âge, tu veux que je sauve quelqu'un? Je sais pas, moi, mais le don d'organes, ça vous parle, non? Mais bien sûr. Et tu veux aussi que je donne mes restes aux chiens. C'est vrai que ça serait con de sauver des vies, hein. Comment vous êtes arrivé là, vous? Bah, comme toi, j'imagine. Ces accessoires de mode, moi, ça me dépasse. Alors, c'est ici que tu te caches? Non. C'est ici que je courais. Les fois où j'avais l'impression d'étouffer, là. Maintenant, c'est compliqué, là. Tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mes parents, j'ai pas envie qu'ils me voient comme ça. Et eux aussi veulent que j'arrête de courir. Du coup, t'as abandonné. Vous pouvez parler, vous. Mais moi, j'ai ma vie derrière moi. Arrêtez de dire des conneries pareilles. Il y a forcément quelque chose. Il y a bien un truc que vous avez encore envie de faire, vous, non? Genre, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, toi. Genre, et d'où tu crois que je viens, petit merdeux? Ça y est.
bien ça? Oh, c'est bien, j'aime bien comme ça. Mais t'as pas fait ça! Pourquoi t'as fait ça? C'est un poisson tout douce ce truc-là! Mais alors? Ça aussi c'est de l'eau! Ah oui, c'est de l'eau, oui! C'est toi qui avais raison, Juliette. Personne ne fera les choses à notre place. Oh.